Et je découvre que j'ai oublié d'envoyer de bonne nuit Docteur Yaz, je crois. Et les gens, bienvenue sur frappistejeux.fr ou sur mon blog etisant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Persona 5 Royal sur PlayStation 4. Donc c'est un jeu qui m'a été offert par Sega. Tous et dans les streams, les liés. Et une console qui m'a été offerte par Celt. Encore une fois, merci à vous deux et merci à toi, Alien, pour le beat supplémentaire. Top les MQI, non, ils sont en train d'arriver. Ils arrivent, Club MQI. Oups, pardon, je suis pas sur les bonnes touches. Voilà. On s'en bat les kiwis, on s'en bat les kiwis, on s'en bat les kiwis, on s'en bat les kiwis. Ça me fait deux bonnes nuits à lancer. Bon, je te dirai pas le mot magique parce que tu m'as dit que tu mangerais ta carte bancaire si jamais je te le disais, mais j'espère que tu dormiras bien, Léa. Attends, faut que j'y finisse de lire ton message d'ailleurs. Dormir en écoutant. T'es adorable. Bonne nuit, fais de beaux rêves, prends soin de toi, et à la prochaine, repose-toi bien. Et fais attention à toi, hein. Personne à risque. Pom, 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 pom. Plein d'amour à toi aussi. Pom, pom, ciao, bisous. Pom. Bonne nuit. Bonne nuit, les petits. So good. Mais... Merci Willy! Ne change rien. On bouge plus. C'est vraiment le feu. Merci beaucoup Willy pour le cadeau. Merci pour ton soutien. Tu gères. Merci beaucoup! C'est sympa. Zerat son goldé quand même. Bah merci aussi. Oncle Sam qui se cache dans un coin. Chut. Bonne nuit, repose-toi bien, Lyria. Et encore, mot que je ne dois pas dire. Je pensais que tu manges ta carte. Mais du coup, j'ai raté l'alerte. Bon, c'est chiant parce qu'en fait, j'ai les alertes de l'ancien bot avec les points de l'ancien bot qui sont à ma gauche et qui sont casés sur plein de trucs. Et en fait, j'ai les alertes des trucs qui sont à droite. Et comme j'ai plus l'habitude de ne pas aller jusqu'à gauche, sauf quand je regarde les solutions, eh ben, je les vois pas. Les alertes, quelquefois, qu'on voulait lancer si je rate dans le chat. C'est un peu chiant. Donc, du coup, en l'honneur de Dr. Yas qui est parti se coucher, je vais quand même la relancer. Jamais très loin. J'aime bien. Bonne nuit, les petits. Voilà. Et hop, on continue. Ça fait déjà 2 minutes que j'ai lancé, mais j'ai encore rien fait. J'ai chaud. Pourquoi tu chauffes pas plus, toi? Comment ça fait du bien? Un peu d'air frais avec de l'eau. Oh, il fait frais d'un seul coup. Normalement, c'est de l'eau pour faire le mettre sur les lunettes. Enfin, c'est un vieux flacon de je sais pas quoi. Il est marqué Yves Rocher dessus. Parce que c'était. Ça rafraîchit. Aïe, espèce de con. Bref, allez hop, on y va. On est le soir même. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et si j'essaie d'augmenter la taille, qu'est-ce qu'on peut faire déjà là-dessus? Non, j'ai pas le droit de sortir quoi qu'il arrive, donc on va faire de la gentillesse. De la gentillesse! De l'huile de massage? Non. Quand même pas. J'ai une peau assez grasse pour pas avoir besoin d'huile. Le mec dégueulasse, c'est. Et puis, j'ai jamais vraiment pensé à me masser moi-même. Bien sûr que ce ne serait pas de refus. Mais je pense que ça se voit que j'ai déjà la peau grasse en fait. Je rentre au Bercail, ne casse rien dans la boutique, Pigé. Mais mec, le café est plutôt vieux. Tu es sûr que tu n'aurais pas nettoyé ta chambre? Comment qualifier ça rétro, vieillot? Enfin, ça a son charme quoi. Mais c'est cool les vieux trucs comme ça. Bien, c'est propre, le patron va être content, certain. T'as augmenté ta gentillesse, hein? Oui. Donne-moi des points de gentillesse, je les veux, ils sont à moi. Ça durait plus longtemps que prévu, on devrait aller se coucher quand on aura fini terminé une nettoyer. Tu veux dire que je suis rétro, Archi? Mais regarde, je suis pas rétro, on voit à travers moi. Parce que j'ai mis un truc vert. Là, là, ici. Tu vois, regarde, si je me déplace, on voit qu'on voit à travers moi. Regarde, là, il y a marqué suivant. Vous pouvez zapper le streamer en appuyant là-dessus. Archi. Je suis désolé de vous avoir autant inquiété. Je serai absente pendant encore un moment. Tu n'as pas à t'excuser. Comment tu te sens? Ça va.
Pour être honnête, je suis plus inquiète pour les employés. Il faut non seulement qu'ils gèrent les clients, mais aussi les médias. Sans parler des préparatifs pour les funérailles de mon père. Je me sens tellement coupable que je n'arriverai à rien faire. Ne t'en fais pas, on sait que c'est une épreuve difficile. On est là si jamais tu as besoin de nous. Je sais, je vous contacterai quand tout sera plus calme. Mais du coup, si vraiment quelqu'un nous a balancé, qui ? Itty est plus blanc que blanc. J'en suis... C'était comment la pub de Coluche ? La lessive au mot ? Oh, non ? Je sais plus. C'était quoi la tâche ? Je me rappelle de Rage et Fuka, ça c'est sûr. Mais pour le reste, prends soin de toi. Merci et à bientôt. Même dans un moment pareil, elle pense aux autres. Comme le mignon. Du coup, je t'achète toutes mes lunettes, j'imagine. N'importe quoi. Tu es un homme tellement transparent. Au moins, on voit un petit peu. Mais comme j'étais là, c'est compliqué, t'imagines, tous les soirs et tout. Bonne nuit, bonne nuit. Bah attends, y a vraiment un compte Willy. Et je t'ai même pas dit bonjour. Tu fais un cadeau. Moi, je croyais que c'était un pseudo. Mais je fais la ramasse alors, complètement. Pardon. Pardon. Je suis complètement à côté de la plaque. Merci encore pour ton cadeau. Et bonne nuit. Et prends soin de toi. Et fais de beaux rêves. Et à la prochaine, j'espère. Ciao, bisous. Ils sont dégueulasses. Éloigne-toi un petit peu. Fais bien que tu brumes là comme ça. Dégueulasse. Encore une fois, désolé, je me suis assommé. C'est pour ça que je dois avoir une marque sur le front. Je me suis fait une bosse. J'ai voulu ramasser un truc, mais j'oublie à chaque fois qu'il y a la distance qui me sépare du sol. Et s'il y a des objets qui nous... Non, me dis pas que c'est la fin des mouchoirs. C'est la fin des mouchoirs, enfin, c'est notre boîte. Pardon. À la prochaine, repose-toi bien. Et merci encore. Je parie qu'ils ont assassiné Okumura pour qu'il serve d'exemple. Sinon, pourquoi l'aurait-il tué en pleine conférence de presse? J'ai lu quelque part qu'Okumura avait seul sa fille. Il n'était peut-être pas un bon manager, mais j'ai quand même de la peine en tant que parent. Assassiner quelqu'un pour se faire entendre, c'est du terrorisme. Je suis d'accord avec Shido et le jeune Akechi. Les voleurs fantômes représentent une menace. Alors tout ce temps, on a encouragé les meurtriers. C'est forcément un coup monté, ce n'est pas le genre des voleurs fantômes. Ils doivent s'entraîner comme ça tous les jours, je les plains un peu. Fais confiance aux voleurs fantômes, jamais ils ne feraient une chose pareille. Oh, la gymnase, oui, elle a changé, mais en bien. On est foutu, hein. Ce silence. Dum, 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 dum. Qui nous attend du spiège? Quelqu'un a une idée? Bien sûr que non. À mon avis, ça ne peut être que la personne à l'origine des ruptures psychiques. Attends, comment on sait que c'est un coup monté? Ils ont trouvé une carte de visite dans le bureau de Monsieur Kobayakawa. C'est forcément quelqu'un d'autre qui l'a laissé là. Dans le pire des cas, il connaît son identité, ce sent pas bon. Oui, tout ça est assez inquiétant. Et comment on peut faire ça? On n'a pas le choix. Il faut trouver le vrai coupable. Mais on n'a aucune piste. Sérieux? Pourquoi ça nous tombe dessus? Si seulement on pouvait prouver notre innocence, mais on ne peut pas se permettre la moindre erreur. On n'a plus qu'à faire profil bas et attendre sans nous attirer l'attention, ok? Désolé de déranger dans une période pareille. Je sais que c'est dur depuis ce qui est arrivé à Okumura, mais c'est le moment idéal pour une métanoïa de moindre envergure. Pour redonner de votre blason. J'ai confiance en vous aussi les infos que j'ai trouvées. Si c'est vrai, cette histoire est totalement dingue. Apparemment, un ancien mercenaire reconverti en assassin se cache dans le métro de Shibuya. Il se fait passer pour un sans-abri la journée et il passe à l'action la nuit, une fois la nuit tombée. Il ne laisse aucune trace et la police n'a rien fait sur lui. Quel courage. Si on croit les rumeurs, il s'appelle Oyoe Kiritani. J'ai vraiment peur et je préfère ne pas m'en mêler. Je vous laisse vous en charger, la Kishtim. Mishima nous envoie parfois des infos étonnantes. Notre réputation a souffert après le décès de Kumura, mais on peut encore œuvrer dans le même manto. On devra en parler aux autres dès qu'on aura un moment. Et on doit absolument voir Haru avant ça. Bien consensueux. Alors là, on a Yusuke et Han. Là, on a Takemi qui est au max, donc on n'a pas besoin d'aller la voir. Et là, j'ai rien. Donc, il faut que j'aille faire Yusuke en fait.
sinon un truc qui augmente ma gentillesse. Et qui le montre très bien. Qu'est-ce qu'il y a qui permettrait de montrer la gentillesse facilement? Le charme, on m'a dit qu'il y a les bains pour ça. Maintenant, tu prendras peut-être, mais il y a un sujet sur lequel je veux écrire un article. Les voleurs fantômes, les envoyements au lycée. Et juste après les partiels, ça pourrait être une bonne idée. Il y a un invité d'honneur à la fête organisée après le festival, ça devrait être cool. Eh oui. Alors, Toc. Yusuke. Takemi. Je bug, désolé. J'aime bien Kiryuji, bien aimé Kiryuji, et j'ai l'impression que... Les amis approchent, sa vision se passe bien. Je te donne une idée de ce qu'on attendait de nous quand j'étais en deuxième année. Qu'en dis-tu? Tu veux qu'on grève des visions ensemble? En fait, je vais faire ça plutôt. Parce que je veux pas éveiller les soupçons, je veux être un bon élève. C'est bien de s'attaquer aux problèmes complexes, mais ce qui compte, ce sont les fondamentaux. Alors, tu en es où à ce niveau? J'ai un peu peur. Pense à poser des questions s'il y a des points qui t'échappent. Revois les bases nécessaires quand on est dépassé. Que ce soit dans les études ou dans la vie. C'est également une bonne occasion pour moi de réviser. Merci. Ok, attaquons-nous à quelques problèmes plus complexes. C'est qu'elle est adorable elle aussi. Hein. Pense à passer tes acquis en revue avant d'aller dormir. Et peut-être que Dio Darkness, en passant dans le métavers, tu peux lui envoyer un message. Et lui dire désolé, je t'ai raté. Je voulais te dire bonne nuit. Ou peut-être même à cet instant même, Your Darkness, elle t'entend encore. Lyria, bonne nuit. La part de Your Darkness. Et de Abraham. Apparemment, les voleurs fantômes auraient tué quelqu'un. Ils ne parlent que de ça aux infos. J'ai pas mal de problèmes avec l'histoire de Caillou. Et je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'on pourrait se voir? Dans le soir, on a toujours lui qu'on ne peut pas attendre, on a Kawakami. Je pense que je vais aller voir Ruya. Oya, Oya. C'est vraiment Akechi, la personne qui a tué Okumura. Je bug complet. Est-ce que c'est possible ou non? Ah, Lucide est reparti sur Minecraft, ça y est. Reflecting that's a truth. It's telling us not to be told.
Je vais juste écrire un petit message à Tanda. Merci beaucoup. Bonsoir, Jackie Jaco. Comment vas-tu? Attends, faut que je t'envoie ta commande. Tac, hop là. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir Tandar. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à aller voir Tandar. Encore une fois, c'est un excellent archiviste, il a énormément de ROM, et il touche à plein de petits jeux différents, et du coup, faut penser à lui rendre une petite visite de temps en temps. Encore une fois, je vous rappelle aussi que c'est l'anniversaire de Lucide. D'habitude, on passe sur les chaînes pour essayer de voir un petit peu tout ça, mais aujourd'hui, on est le 28, normalement, et c'est l'anniversaire de Lucide. C'est l'anniversaire du Space Hero aussi, mais il a terminé son live. Voilà, et à côté de ça, vous avez aussi Herman, qui actuellement est en train d'essayer de terminer Pokémon à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il ne voit pas le jeu, lui, on le voit nous, donc on peut essayer de le guider sur le chat, mais lui ne le voit pas. Donc voilà. Hop, c'est bon. Désolé pour ce petit intermède, comment on dit, je sais plus. Bref, on va là-haut. Arrête de dire des bêtises. C'est vrai que c'est un peu embêtant, parce que du coup, comme je passe toute ma nuit sur... sur Persona, je peux même plus parler à d'autres gens. Ça ne dérange pas, mais tiens-toi au carreau, ok? Persona... non. Si. Persona, et le diable, je l'ai encore, parfait. Interlude, je sais plus. Je suis nul, j'oublie des mots. Ah, faut pas oublier que j'ai une rage dedans, là, tout de suite. Pas tellement, en fait. Un en dessous d'une rage dedans, et qu'il fait chaud. J'ai déjà pas de cerveau d'habitude, là, il a fondu. Tu vois, et il se prend les décharges électriques parce que ça fait bobo. Nah, personne ne s'attendait à ça, avec Okumura Food, et le suicide de son principal dans la foulée. Tout le monde met ça sur le dos des voleurs fantômes, mais il y a un truc qui cloche. Peut-être que tu dépeins un peu sur moi, mais c'est mon boulot de tout remettre en question. Je peux te parler de Caillou à une minute? Bien sûr que tu peux. Ok, assieds-toi. Ça ne sert à rien. Grâce à mon patron et mon éditeur, j'ai perdu tous mes contacts qui savaient où Caillou se trouve. Eh bien, dis quelque chose. Ben, j'ai un chat. Hein? T'aimes les chats? Dommage, je préfère les chiens. C'est quoi cet soupir? Toutes ces nuits blanches commencent vraiment à se faire ressentir. À ce moment-là, tu vas te tuer à la tâche. Tu as rempli ton quota, non? Bien sûr, ils me virront à la seconde ou ils me verront faiblir. Mon patron espère que je vais me planter, mais je refuse de lui faire ce plaisir. Quelle espèce de tyran. À qui le dis-tu? C'est une course, je dois trouver Caillou avant qu'il n'ait ma peau. C'est l'enfer. Est-ce t'occuper de lui avant de reprendre ton enquête sur Caillou? Je ne peux absolument rien faire pour le convaincre, c'est un pourri de première. Et les rédacteurs chefs l'apprécient malgré son comportement, je n'ai aucun soutien, c'est fini. Ouais, il n'a pas l'air de genre à changer d'avis. Mais à ce rythme-là, tu vas devoir abandonner tes recherches. Qu'en dis-tu, petit? Il faut que je m'occupe de son patron pour l'aider. Ah, je vais crever. Pourquoi? Tu veux trouver son point faible? Il s'appelle Shinpei Honjo. Il paraît que c'est un bon mari, il couvrirait la politique économique extérieure. J'espère que j'exagère, mais il connaît ton visage, tu sais. Ne va pas jouer les roues. C'est pour ton bien qu'elle dit ça. Compris, petit? Je te demande où est Caillou. Désolé, mais je n'ai pas le cœur à t'écouter aujourd'hui. Mais merci d'avoir fait tout ce chemin, à bientôt. Je dois libérer Oya des demandes abusives de son patron. Pour l'amour du journalisme, j'ai envie d'aller m'en occuper. Détapisse à 5h45 du matin, comment ça? Tu te détapisses là? Fais-moi un choix de nuit. Ah d'accord. Ça j'arrange pas les voisins? Alors suffisamment depuis le début? Il faut croire que Akechi avait raison en fin de compte. Non, j'ai toujours peur en les voleurs fantômes. Et notre code de popularité qui baisse, mais c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ce sont des meurtriers, non? Qu'est-ce qu'ils attendent pour les arrêter? Combien de temps la police doit-elle les laisser en liberté? Je me demande quand Okumura va revenir au lycée, c'est bientôt les funérailles. Ça doit être chouette d'organiser les obsèques d'un grand PDG. Okumura parle pas beaucoup, tu crois qu'elle va bien?
C'est dur d'imaginer que le père d'une fille aussi sympa pouvait être aussi méchant. Je m'attendais à pas à ça de la part de la des voleurs fantômes. C'est ni plus ni moins qu'une exécution publique. Et du coup, Alien, t'as vu un petit peu le live de Lynx? Parce que moi j'en ai vu un morceau, mais je peux pas. Comme je suis pas longtemps, en même temps que je stream. Ça s'énerve un peu sur net. Les gens nous traitent de meurtriers. Et ils critiquent aussi les célébrités qui nous soutenaient. Ça s'enflamme. Les gens postent des messages à propos de ça partout. J'ai du mal à croire que les gens qui nous soutenaient étaient sincères. Et il y en a beaucoup qui devaient juste suivre le mouvement. Vu comme ça, c'est pas génial. Ça invite à la réflexion. On aura tout de temps plus tard. La priorité, c'est de gérer cette situation. Notre petite affaire est au plus mal. On peut pas rester là à rien faire. Mais on peut pas non plus agir sans aucune piste. Qu'est-ce qu'on fait alors? La fin des examens, ce sera le moment idéal. Hein? Pour faire quoi? T'inquiète pas, pour le moment, on attend et on voit ce qui se passe. On parlera de tout ça après nos examens. J'arriverai jamais à me concentrer sur des examens, là. T'as déjà réussi à te concentrer sur quelque chose? Ouais. Hey, it's for you! Toi, réveille-toi, ça, ta façon de se... Putain, j'ai encore esquivé les... Oh, j'ai esquivé! J'ai esquivé! Bon, reprenons. Du charme! Oui! Du charme. Regarde-la. J'ai plus l'air. C'est tout faux. Parce qu'en plus, il y a le son du truc en fond. Je sais plus. Alors, on a qui là qui nous appelle? Pour l'entraînement, alors, on peut parler? Ryuji. Ryuji, faut monter de niveau. Takemi, Futaba, je peux toujours pas, j'ai pas ce qu'il faut. En gentillesse, je crois. On va s'occuper de Ryuji. Persona. Le chariot. J'ai 22 minutes qu'on est sur la rediffusion, le temps passe à une vitesse folle! Ça y est, tu rentres chez toi là? Non. Faut que je te parle d'un truc. Ça concerne l'équipe d'athlètes. T'as eu temps pour m'écouter là? Passe du temps avec lui. T'es mon sauveur, mec. Bon, je crève la dalle, alors je te propose d'aller discuter dans un resto de Monja. Je t'invite. J'en peux plus. C'était bon, hein. C'est ma tournée, mais ne t'attends pas à ce que ça se reproduise dans les... tous les 4 matins. Une seconde, j'espère qu'il va faire très très moche lundi. Le fait qu'il pleuve terriblement. Oui, on porte la feuille. Ben, tant pis. Non. Eh, j'ai reçu un message de Takeshi. Elle dit que l'équipe d'athlétisme veut se débarrasser de Yamauchi. Ils vont s'entraîner avec sans lui. Ils essaient d'obtenir le retour de leur ancien coach, celui d'avant Kamoshida. On dirait qu'ils suivent enfin leur propre voie. Tu es content maintenant? Il marche au lieu de courir. Tu es content maintenant? Ouais, je crois. Et ils m'ont invité à réintégrer l'équipe. Fais pas ça. J'ai dû leur refuser leur offre. Ça n'a pas été simple, mais ma place n'est plus à leur côté. Quand t'arrives à Shujin, les élèves racontaient tellement de conneries à ton sujet, mais toi t'as survolé tout ça. T'as fait ce qui te semblait cool, et en te foutant éperdument de ce qui était sur toi. Je crois que c'est pour les... C'est ça... Non, attends, je crois que c'est pour ça que tu attires les gens. Quoi que tu fasses, tu es dans ton élément. Je ne l'avais jamais réalisé. Mmh. Sérieusement? Tu sais, avant de te rencontrer, je me cherchais des excuses pour justifier mon côté inadapté. C'est toujours de la faute d'un autre. Kamoshida, l'équipe, j'ai même accusé mon père. J'étais un foutu loser. Aujourd'hui, j'ai compris qu'en restant moi-même, j'aurais toujours ma place quelque part. Ce n'est peut-être pas la même place qu'avant, mais je m'y sens bien. Et je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Et ça, c'est un joli message, n'empêche, je trouve. Cœur, les petits... c'est gentil. Bonne nuit, oncle Sam. Repose-toi bien, prends soin de toi. À très vite, et j'ai toujours hâte de te voir sur The Uncharted. Même si j'aurais pas trop l'occasion de te voir non plus, parce que tu vas sûrement streamer à des heures où moi je serai déjà en stream ou pas là. Mais voilà. Repose-toi bien surtout et fais-toi plaisir, du mieux que tu le peux. Enfin, ça dépend dans quel sens tu le prends, mais sur le stream. Pas en moins 18, hein, c'est, d'accord? T'as compris, hein? Bonne nuit, oncle Sam. Merci beaucoup d'être resté si longtemps. Prends soin de toi, à la prochaine! Et bonjour, Scarab, comment vas-tu? Quoi de beau? Es-tu bien réveillé? Il est trop tôt pour se lever, monsieur. Je suis vraiment content de t'avoir retrouvé. Bien d'accord avec toi. Et en termes moins imagés? Et t'inquiète pas, mec, toi aussi t'as une place pas loin.
juste à côté de moi, on peut peut-être même un peu avant, peut-être même un peu avant, quelque chose comme ça. Je sens que le lien qui m'y arrive juste renforce. Allez, niveau 9, niveau 9. Bah écoute, je vais bien, je te remercie. J'ai très mal aux dents, mais ça va. Ça peut permettre de protéger 2K contre l'attaque fatale. Merci. Ça veut dire que le stream peut continuer tant que je maintiens le cap. Ah, je vois chez le dentiste lundi, de toute façon, donc demain. Cela dit, je ne vais pas m'arrêter de m'entraîner, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Un jour, je bougerai tellement vite que tu ne me verras plus à l'œil nu. Attends, si tu veux pas me voir, ça vaut vraiment la peine. Bref. Je crois qu'on a passé trop de temps à creuser, on a fini le monde déjà. Tu veux qu'on essaie de se faire des cœurs de frais d'un cure-dent ? Des frais d'un cure-dent ? Ça se mange un cure-dent ? Allez, on rentre. Ah bon. C'était débile. Mais je suis content de moi. Comment ça, bof bof? Pour le cure-dent? Yo, écoute ça. J'ai reçu un appel de Nakaoka et les autres tout à l'heure. L'équipe va officiellement se reformer. Apparemment, Yamauchi reste coach pour le moment. Mais ça va, ils ont l'air de contrôler la situation. Félicitations, ils contrôlent la situation, il vaut mieux les surveiller. Non, ils sont à être à mon niveau. Et puis, je compte m'entraîner comme jamais. J'ai mon ancien chrono à battre. Ouais, on peut les laisser gérer maintenant. C'est à eux de prendre le contrôle désormais. Et je baisserai pas ma garde. Ils me battront pas. Ok, j'y retourne. Reste top. Qui fait le malin, tombe dans le ravin. Je t'ai tué. Non, Napta! J'ai pas les... J'ai pas de machin. J'aurais eu les faire passer sous la main. Je t'aurais... comme ça. Enfin, les fer à passer. J'aurais remis l'électricité dans le fer à passer et paf, électrochoc. Mais non. Les voleurs fantômes sont donc des meurtriers. Tous leurs exploits passés, ça ne doit pas valoir grand chose. Mais je pense que le cure-dent est mauvais parce que je l'ai pas fait chauffer avant. Tous leurs exploits passés, ça ne doit plus valoir grand chose maintenant. Le cure-dent pas top. Alors, tac tac tac. Parce que ma maman, elle me disait, tu peux pas savoir si t'aimes pas, si t'as pas goûté. Eh ben, j'ai goûté le fenouil et j'ai vomi. Ifumi, mais attends, si je vais par là. Iwai, je te peux toujours pas. Mais là, je peux toujours pas lui parler. Bonsoir, c'est for you. J'ai beaucoup d'affaires à faire. D'ailleurs, attends, j'attends quelqu'un là. Je te préviendrai quand j'aurai un peu plus de temps d'ici là. Nos affrontements devront attendre. Oui, mais je me souviens plus des dates, j'ai oublié Archie. Tu connais ma capacité à retenir des noms et des dates. Je sais que tu me l'as dit et en fait, je savais plus si c'était genre le 17-9, le 17-10, le 17-11, un truc dans le genre. Ou le 7-10-29. Complètement à côté de la plaque, encore une fois, le mec, félicitations. C'est merveilleux. Applaudissons mon cerveau exceptionnel. Alors, pour tomber dans le varin, ça va durer. Surtout que, rappelez-vous que je suis un homme grand, et donc plus les gens sont grands, et plus ils tombent de haut. C'est comme ça. L'heure doit savoir reculer pour mieux sauter. Ça veut dire qu'il faut parfois battre en retraite pour attaquer plus efficacement ensuite. Je te conseille de garder ça en tête. Ce serait sympa qu'on se traîne ailleurs parfois pour changer un peu. À l'extérieur par exemple, dans un endroit pas trop fréquenté, et c'est peut-être trop dur à trouver. Bref, on fait une petite partie. Je vois, excellente idée. En fait, j'aimerais bien y aller tout de suite, je trouverai peut-être un nouveau coup au parc qui machin chose. Je connais pas assez le Shogi pour en parler. Yoshizawa en 5, on l'a déjà atteint. Le 11-17. Ah bah, il y avait bien 11-17, c'était Maruki. Je me souvenais d'une date. Je me souvenais d'une date, mon dieu. Je savais qu'il y avait un 17 quelque part. Mais c'est Maruki. Donc je suis large. Il est déjà niveau 9. Maruki. Je crois. Et après, non, Akechi, faut que je le continue par contre après. Cette date, je te l'ai dit 50 fois, mais c'est pas parce qu'on dit 50 fois un truc. Tu sais, c'est comme je dis, j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures et des heures
sur les dernières années, qui est les 10 dernières années, à faire des tonnes d'exercices de vocabulaire. Et en fait, j'oublie tout au fur et à mesure. Je veux dire que c'est chiant pour ça, en fait, parce que j'oublie vraiment tout au fur et à mesure. C'est-à-dire que je ne retiens pas ce genre de choses. Et je sais pas. Je crois pouvoir jouer au shogi de manière différente. Le paysage, les sons, les odeurs, je vais pouvoir utiliser mes 5 sens. Peut-être que ça m'inspirera de nouvelles idées. Ce que tu veux, d'accord. Content pour toi, c'est un bon stimulant, hein. Oui, le shogi n'est pas une question d'intelligence. L'éveil des sens est nécessaire pour identifier toutes les options et sélectionner les meilleures. De nouvelles occasions se sont présentées à travers le shogi. Nous sommes comme des pièces de shogi ouvertes à toutes les possibilités de mouvement. Je me demande quel genre de personne tu deviendras. Imaginer les possibilités est fascinant. Je commence à avoir l'impression que je vais découvrir un nouveau coup. Pourquoi elle dit ça après m'avoir rencontré? Enfin, m'avoir parlé de moi. Bon, maintenant que nous sommes frais et dispo, commençons la partie. Vous avez un mauvais effet sur moi. Je suis désolé, mais disons-le ainsi. Je sens que le lien qui me lie à Ifumi va bientôt se renforcer. C'est de bonne foi tout ça. Hein. On devra s'arrêter de jouer pour aujourd'hui. On devrait pas. Ils ont toujours pas arrêté les voleurs fantômes. Peu importe la manière dont ils s'y prennent, mais qu'ils le mettent au trou. C'est effrayant de le savoir ces meurtriers en liberté. Je me demande bien qui sont ces criminels. Ce sont des meurtriers et qu'on ne vienne pas me parler de leur foutue justice. C'est pas grave ça. C'est le seul aspect un peu embêtant de perdre ses fans, c'est le côté pognon. Et comme il rapportait pas de pognon, on s'en fout. Je peux te parler une minute. Maintenant que les funérailles sont passées, c'est comme si j'avais un poids en moins sur les épaules. On sait que la réponse est non, mais oui. Ça m'embête que les autres se fassent souci pour moi. Mais toi, comment tu te sens? Tu es quelqu'un de fort. Je serai bientôt de retour, ne t'en fais pas. À mon avis, je reviendrai après les examens. Eh bien, à plus tard. Elle devrait être plus mal et pourtant, elle essaie de nous remonter le moral. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne dans les gens bien. Vous me pervertissez, Micron. T'en rends-tu compte? Tes examens commencent demain, pas vrai? Tu devrais te concentrer là-dessus pour le moment. On se remettra au travail quand tout sera terminé. J'ai pas racheté d'engrais. Faut que j'achète de l'engrais. Je voulais te demander que penses-tu des histoires des crises de frénésie. Elle a peur, une réaction du plus ordinaire. Bon, je vais vous dire la vérité sur ces crises de cas de frénésie. En bref, ce frénésie relève d'un complot gouvernemental visant à réduire la population humaine. Oh, et les voleurs fantômes en font partie, ce sont des pions du gouvernement. Mais ne parle pas de ça à personne, hein, tu pourrais créer un vent de panique. Eh bien, il est temps de rentrer chez moi. J'aime les gens qui sont convaincus de ce qu'ils disent. T'as dit quelque chose? Ah mon, en journée, je suis bête. Mais Itzy, t'es une quiche énorme. Yusuke, Ryuji, on peut terminer Ryuji? Takemi. On termine Ryuji, après on va dans le même auto. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, un complotiste. Bon, perverti, on est innocent, nous. Mais moi aussi, je suis encore plus innocent, non mais oh. Go, mais carrément. Allez hop, gare, attends. Non. Pas Yusuke, non. Qu'un diamant d'innocence. Seul un... C'est quoi? Seul un humain peut ici entrer. C'est ça qu'il dit. Celui dont l'apparence dissimule la valeur. Je veux pas aller dans les graves, je mangeais trop de Nutella. D'un diamant d'innocence. C'est ça?
Seul un humain peut ici entrer. Je sais plus ce qu'il dit. Celui dont la valeur dissimule. Non, celui dont l'apparence dissimule la valeur d'un démon innocent. Je crois que c'était ça. Non ? Un diamant d'innocence. Je vole comme un aigle royal. Je vole au-dessus de moi. Totum, tomadabadam, dadam. J'ai une autre version. Comment ça ? Comment ça ? Tu veux nous faire la version québécoise ? Un nouveau monde. Yoichi, t'es là pour te reposer aussi ? On est aussi innocent qu'un enfant qui vient de naître. T'as quel âge ? Yoichi, t'es là pour te reposer aussi ? Ça te branche un peu le sport ? Allez, dis oui. C'est parti, en même temps, je te parlerai d'un truc. Passez du temps avec Ryuji. On va le monter à 10 sur 10. Alors, après l'entraînement, on ira manger des ramen. La 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 la. Ah, c'est le meilleur moyen de refaire le plein après l'entraînement. À propos, l'équipe s'est remise en piste. Yamauchi s'est fait lourder bien vite fait. Takechi a tout dit à sa mère, qui est, comme tu le sais, présidente de l'association des parents d'élèves. Elle a débarqué comme une furie avec l'autre parent et ruiné la plan de Yamauchi. J'aurais voulu voir la tranche de Yamauchi. L'école prend l'assaut de parents d'élèves au sérieux. Du coup, l'équipe reprend du service. C'est notre ancien coach qui la suit pour le moment. Mec, c'est bien fait pour ce truc de Yamauchi, ça soulage. Et je crois que l'équipe a toutes ses chances d'être allé loin. J'ai hâte de voir ça. Ouais, bordel. La mère et sa mère vont être trop cuits à table. Je te le dis. J'arriverai pas à descendre dans les graves. Comme j'ai mangé une Nutella, en fait, j'ai l'estomac et tout retourné. Et donc le diaphragme ne fonctionne plus de la même manière. Un seul humain peut ici entrer. Non, j'arriverai pas. Donc j'avais raison. J'avais raison. Napta ! Courage pour le dentiste. Merci beaucoup. Mais ça va faire du bien le dentiste, j'ai pas besoin de courage pour y aller. À part s'il fait trop chaud, que je vais me taper une heure et demie de route dans une voiture qui a pas la clim et qui fait trop chaud. Et du coup, je vais être tout dégoulinant en arrivant chez mes parents. Et du coup, en étant chez le dentiste. Et ça va être trop chiant. J'ai 2 jours. Tu me suis à t'en falloir depuis le 25 juin 2000. Effectivement. Effectivement, je suis en train de me dire que t'as raison. Ouch. Il y a des chances. Tu as 2 jours en ces lieux. Je veux donc bien croire en ton innocence. Bonne nuit, Edouard. Fais de beaux rêves, prends soin de toi, merci beaucoup d'être resté si longtemps. Repose-toi bien et à très vite. Merci à toi. Phew, c'était génial. T'as de la chance, Glaouch, hein. T'as de la chance. Pour te dire, d'avoir devoir me confronter de nouveau aux autres me fut pas foutu à trouille. Leur haine était insoutenable. Elle me rappelait à quel point j'avais pu me montrer stupide. Et surtout, elle me rappelait que j'avais perdu ma place à leur côté. Ça ne me ressemble pas, mais j'ai réussi à changer et c'est parce que tu étais là pour m'aider. Et je t'ai embarqué dans cette galère et tu restais avec moi jusqu'au bout. Tu ne m'as pas laissé tomber. Alors merci, mec. C'est trop mignon. C'est toi qui as tout fait. C'est marrant, hein. Tout ça a commencé avec mon entraînement de voleur fantôme. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Quoi qu'il en soit, maintenant, à moi de te renvoyer l'ascenseur. Si se passe quoi que ce soit, fais-moi signe, je t'aiderai, quel que soit le besoin. Je trouve que leurs petites histoires sont formidables. Elles sont feel good, tu sais, c'est feel good movie, feel good série, etc. C'est, ça fait se sentir bien, je trouve, ces reconnaissances, ces machins, ces petits trucs d'affection qui s'échangent, j'aime bien. Je sens qu'il existe un lien solide entre Ryuji et moi. Mais ça, Glaouch, peut-être que c'est tes parents qui l'ont créé pour toi il y a des années, ils avaient prévu ça il y a fort longtemps avant. Pour moi, cette chaîne, tu n'existes que depuis le 25 juin. Je ne te connaissais point avant, si ça se trouve. Je suis toi, tu es moi. Vous avez changé un vœu en serment de sang. Votre lien devient les ailes de la révolte et brise les chaînes de votre cœur. Vous avez révélé l'ultime secret du chariot. Vous recevez un pouvoir infini. Tom, 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 tom. Alors, je suis curieux de voir à quoi va ressembler. Transforme la persona en trickster légendaire. Votre confident du chariot a atteint le rang max. L'explosion arcanique rapportera plus XP lors de la 1. Et attention. Shiyu.
Ah, la musique est belle. J'aime bien. Alors, est-ce qu'il va être plus classe ou plus, au pire? Ouais, il est moins joli, je trouve. Je sens une force nouvelle m'envahir. Captain Kid, personnage de Ryuji transformé en Seisten Taizé. Je suis triste. Génial, maintenant que je n'ai plus du tout cette affaire sur le cœur, on va pouvoir avancer. D'abord les voleurs fantômes. Je vais compter sur toi, chef. Et toi aussi, tu pourras compter sur moi. Et maintenant qu'on a refait le plein, je vais faire la course jusqu'à la station de métro. Plus d'emplacement de compétences, libre sélectionner une compétence à oublier. Sa faiblesse, bon, ça c'est pas mal qu'on a qu'on le. Ce n'est pas vraiment une grande nouvelle, mais je crois que je vais reprendre les cours demain. Je suis désolé de vous avoir autant inquiété. Mais tu es sûr que ça va? Tu traverses un moment difficile, fais attention de te ménager. Au contraire, j'ai besoin de me changer les idées pour ne pas gamberger. Oui, je te comprends. Et puis chez moi, je n'ai rien à faire. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais essaie de ne pas trop ressasser tout ça. Tu peux compter sur nous, on est avec toi, Rouge. J'aime bien ce petit mot gentil, je trouve ça tellement agréable. Ouais, n'hésite surtout pas. Peut-être tout à fait, pour être tout à fait honnête, quand je me suis retrouvé seul, j'ai un peu douté de vous. Mais c'était odieux de ma part. Après tout, c'est moi qui vous ai entraîné là-dedans. Ton père vient de mourir, Haru. Il est normal de se laisser submerger dans ce contexte. Oui, c'est vraiment dur de perdre quelqu'un de cette manière. Ça va aller maintenant, vous m'avez tellement aidé. Nous te devons aussi beaucoup. Merci, ces mots me vont droit au cœur. Bon, et bien sûr, eh bien, on se voit au lycée. Haru, je ne suis pas surpris qu'elle ne soit pas en forme. De réveiller sur Haiti. Quoi qu'il en soit, malgré son état, Haru ne manque pas de courage. Je suis sûr qu'elle s'en remettra. C'est gentiment, mais c'est quand même vachement agréable, ça fait du bien toutes ces pensées positives, non? Vous trouvez pas? Je sais pas, je... Ce jeu respire la positivité sur plein de trucs, et ça fait du bien, je trouve. Yoshida, on l'a déjà à fond. Sojiro, je peux pas le faire grimper. Shiaya, je peux aller la voir. Et si on peut... Ah, mais demain, c'est les... On ira au même taux demain. Pour l'instant, on va aller voir Shiaya. Faut que je fasse des nouvelles emotes. Sérieux, tu es vraiment sûr que ça va aller? Je sens quelque chose rien qu'en voyant ton visage. L'aura de la mort émet une étrange lueur. Fais attention à toi. Alors, qu'as-tu envie de faire aujourd'hui? Faire un test de vérification. Tu viens faire un test de vérification? Ça, je viens de fermer malheureusement. Par contre, je veux bien qu'on discute autre chose. Je sens que le lien qui me vient de se renforcer. Qu'est-ce que tu vas faire? Passer du temps avec elle. Merci infiniment. Attends-moi le temps que je ferme. Pour être vraiment honnête, sérieux, je crois toujours au destin. Mes prédictions se révèlent toujours justes, tu sais. J'imagine que mon pouvoir divin n'a simplement pas réponse à tout. Tu veux encore le tester? On pourrait, mais je suis sûr que ce serait décevant au final. Tu sais, je me suis déjà demandé si on pouvait influer le destin par le passé. Mais je me disais que c'était une chose qui échappe à notre contrôle. Un peu comme la nature éternelle, indomptable. Pourtant, il existe des gens comme toi qui ignorent les règles et imposent leur volonté au monde. Que dois-je faire pour devenir comme ça, sérieux? Je dois plus m'écouter et moins me reposer sur mes prédictions, je ne l'avais jamais envisagé. Cette ville ne cessera jamais de me surprendre. Il n'y a pas de gens comme toi dans ma campagne natale, Sfario. Je viens d'un petit village niché dans la montagne où la population est vieillissante. Ça a l'air paisible. En hiver, la neige rend la circulation vraiment difficile, ça donne même une petite idée. Les jeunes ont l'obligation d'obéir à leur aîné, mais c'est une règle tacite, tu t'en doutes bien. Oh, et il y a un petit sanctuaire en beau milieu du village, d'habitude je vais... Ça n'a plus aucune importance en fait. J'ai quitté cet endroit pour venir vivre ici. J'en ai plus à rien à faire. Quand je suis arrivé à Tokyo, j'utilisais cette pierre pour me rassurer. On me l'a offerte, une personne qui ne voyait pas en moi qu'un monstre doté de capacités étranges. Qui ne voyait pas en moi qu'un monstre.
D'accord, en fait, elle a été assez maltraitée comme gamine, j'imagine. Si je vends des pierres sacrées, c'est pour aider ceux qui traversent des épreuves difficiles. Mais à présent, je demande si elles ont un véritable pouvoir. Après tout, tu n'en as pas utilisé pour changer le destin de mes clients. Est-ce que on peut vraiment modifier le destin uniquement avec des mots et de la détermination? Si tu dis vrai, je n'ai plus besoin de ça. Je vais me confronter au destin, armé de ma seule volonté. C'est tellement sympathique. Mais le président risque de ne pas apprécier. Le président... Ouais, ne fais pas attention, oublie tout ça. Sujet, sinon je vais devoir te maudire. Enfin bref, si on peut modifier le destin, on doit pouvoir changer le mien aussi, non? Ça n'a jamais marché, mais peut-être que pour cette fois... Oui. J'espère qu'on va continuer à se voir. Au moins, je sais ce que je change mon destin. En attendant, je ferai de mon mieux pour prédire ton avenir avec exactitude. Eh ben voilà, la personne qui au final n'avait pas spécialement d'intérêt pour moi, à la base... D'un seul coup, j'ai tellement envie d'aider. Shilaya a l'air vraiment motivée. Bah, elles sont toutes choues quasiment, je trouve. C'est, en fait, ce que je trouve génial avec ce jeu, c'est que chaque personnage est quelqu'un de très fort et très faible à la fois, tu vois. Et tu vois, il n'y a pas de personnages qui sont juste faibles. Je sais pas, ils ont réussi un truc qui est vachement sympa à ce niveau-là. C'est-à-dire que t'as pas de personnages qui doivent être sauvés tout le temps ou qui doivent machin. Ils ont tous un combat à mener, ils sont tous forts dans leur combat. Et en fait, toi, t'es là juste pour les accompagner. Jamais leur faire le boulot à leur place, en fait, vraiment, tu vois. Et je trouve ça propre, ce qui est fait à ce niveau-là. Tu vois. Attends. May. Micron qui dit bonjour à May, mais je l'ai pas... Ah, si, May, bonjour, pardon. Juste au-dessus. Comment vas-tu? Voilà, chacun a ses forces et ses faiblesses. C'est-à-dire, dans quelques jeux, par exemple, souvent la femme... aura tendance à être la personne faible qu'il faut protéger, etc., etc. Et là, en fait, que ce soit les mecs, les femmes, ils ont tous... Oui, j'ai fini par l'éclater, on a fait du level up et tout, et je l'ai eu. Et comme ça, tu vois, je suis content. Je fais moi la gueule. Et bon, voilà, j'ai eu l'aide absolue d'Archibald, et qui a fait des recherches pour moi, qui m'a beaucoup apporté pendant le farm, et qui m'a donné plein de bons conseils, et du coup, on l'a eu assez facilement au final. Même si je doutais, j'avais peur que ça marche pas, ça a bien fonctionné, ouais. Et notre confident de la roue de fortune a atteint le rang 4. L'explosion de rien, voilà. On va essayer d'aider elle aussi, du coup. Ben, je trouve qu'ils restent très clichés tous, en fait, d'une certaine façon, Glaouch. Mais, c'est pas cliché, genre, petite princesse en détresse, ou macho qui doit se remettre en question, tu vois, c'est des clichés... Mais qui sont équilibrés, je trouve, tu vois. Plus équilibrés. Il y a quand même plein de clichés dans celui-ci de jeu, en fait, mais ça m'a jamais vraiment dérangé, les clichés. Enfin, ça dépend des fois. C'est bon, j'ai arrêté, t'as vu? J'avais déjà arrêté. Je t'appelle parce que je voulais te remercier encore tout à l'heure. Merci beaucoup pour le jeu du pour être honnête, je suis encore un peu perdu. Mais te parler de tout ça, ça m'a fait du bien. Bah, tant mieux. Je n'ai pas fait grand-chose, parle-moi de là où tu viens. Quoi? Oublie ça, ok? Ou ton tirage sera la maison de Dieu, le diable et la mort. Je me suis peut-être un peu égaré, mais je te remercie vraiment pour ton aide. J'ai pas réussi à faire grimper assez haut. Fini le Covid pour moi, c'est bon, t'en es sorti? Ou alors, attends, c'est toi qui me disais que t'étais malade? En gros, ça va être que j'ai envers toi. Je vais travailler dur à partir de maintenant. Même si je m'imagine vraiment pas changer mon propre destin. Je trouverai le moyen d'y arriver, j'espère pouvoir compter sur toi pour m'aider. À la prochaine! Nickel, félicitations, ça fait plaisir. J'espère que ça t'a pas trop fait galérer quand même. Et du coup maintenant tu te sens en pleine forme. Ou du moins que tu vas remonter petit à petit les escaliers et... gravir à nouveau tout cela et pouvoir redécoller plein de billes. C'est ça, voilà. Je trouve que t'es... Oui, justement t'es pas un sauveur, t'es un accompagnateur dans le jeu, je trouve ça beau. En fait, et surtout le fait qu'il y ait d'impopularité, ils te le présentent pas comme quelque chose de bien, tu vois. Le fait d'être très populaire, le fait d'être des héros, tu vois, c'est plus dans le doute, dans l'équilibre de la balance, comme je disais. C'est pour ça que je pense que j'aime autant le jeu. C'est dur et nuit blanche, j'aurais dû commencer à réviser avant. Au moins, c'est bientôt la fête du lycée. C'est vraiment le truc qui me fait tenir le coup en ce moment. C'est sûr, mais elle est maintenue, ça pourrait être annulé. Dis pas ça, tu vas me faire déprimer juste avant les examens. Déjà que c'est dur en ce moment, s'ils annulent le festival, il va y avoir une épreuve, une émeute. Ça, joli les parapluies comme ça, transparents. Pas pourquoi.
Tu as entendu des rumeurs? Elle a vraiment de la chance. On dirait que ses notes n'ont aucune importance. Je me demande s'ils sont vraiment du lycée. Les profs sont en train de tourner le dos à la majeure de promo. Elle est sur le podium, tant mieux pour elle. Les voleurs fantômes sont allés trop loin, tu crois pas? Je pensais qu'ils voulaient juste faire changer ce PDG, mais ils l'ont carrément tué. J'en veux dire qu'ils avaient aussi tué le principal Kobayakawa. Je le trouvais déjà limite, mais j'aurais jamais pensé qu'ils deviendraient des assassins. Ça veut dire qu'ils te prennent pour cible, tu es foutu? Un peu de calme, j'ai distribué le sujet de l'examen. Si on l'a vu, non? En comptant aussi bien les noirs que les blanches, combien d'un ballon de football a-t-il de face? Ah, j'ai pas le droit aux réponses! Je pourrais le faire. Bah, je te le souhaite, vraiment. Mais il commence à s'intéresser au PC, j'espère bien. Il semble juste. Voyons, une dissertation à rédiger. C'est difficile, mais gardons la tête froide et réfléchissons bien. Expliquez pourquoi les ballons de football sont toujours noirs et blancs. Les ballons de football, la prof n'a dit en cours que le nombre de couleurs était différent, non? Ça te dit quelque chose? Une couleur, ils étaient tricolores. Bah, attends, du coup. Avant, c'est ça. L'histoire dont je me rappelle, c'est qu'avant, ils étaient d'une couleur, et qu'en fait, ils ont changé pour la télévision. Non, mais sinon, ils étaient moins voyants avant. La prof nous dit qu'en cours, que le nombre de couleurs était différent, non? Qu'avant, le nombre de couleurs était différent. Donc, voilà, et en fait, il n'était que d'une couleur. Je suis en train de regarder la solution en même temps, c'était bien ça, il n'était que d'une couleur. Oui, il n'y avait qu'une couleur, mais ça ne sautait pas aux yeux. Ah oui, je me souviens, je crois qu'elle a dit qu'à l'époque, les matchs de football étaient diffusés en noir et blanc. Sans image, étaient diffusés sans image. Oui, à la radio, en noir et blanc. Ouais, un ballon d'une seule couleur aurait été impossible à voir sur une télé en noir et blanc. Ils ont donc changé la couleur du ballon pour la télé. Tu as fini dans les temps. Pose au crayon et mettez les mains sur la table. Ouais, mais peut-être qu'ils font faire des efforts. Tu es toujours fan des voleurs fantômes, tu sais que ce sont des meurtriers, pas vrai? Ça veut pas dire que je pense qu'on doit laisser la criminelle en liberté. Ils auraient au moins pu laisser le principal se rendre à la police, non? Et tu as vu cette conférence de presse, des vrais chiens ne feraient jamais ça. Akechi avait peut-être raison à leur sujet. Il a trop assuré de garder sa ligne de conduite alors que tout le monde était contre lui. C'est suffisant, si vous n'arrêtez pas de parler, je vous allez sortir. C'est le deuxième jour de vos examens, veuillez commencer. Qui procède à l'exécution du sens cet appareil? Bon là c'est Charles-Henri Sanson, c'est ça? Bon c'était pas Louis XV non? Et Guillotin, celui qui a inventé la machine à question, c'est bien qui procède à l'exécution du sens cet appareil. Et procéder à l'exécution, c'est Charles-Henri Sanson. Qui d'après ce qu'on m'avait dit, la tata tout à l'heure elle m'a dit c'était le médecin aussi. Ouais non mais ça Glaouch. Il faut qu'il y ait une version. Bah, la version française existe maintenant, il suffit juste de la porter sur PC, c'est réglé. Ça me semble juste. Pour quelle raison peu de gens peuvent-ils devenir pêcheurs ou au cormoran de la Nagara à Gawa? C'est un métier héréditaire. C'est ça, hein? Ouais. Ça semble juste. Les voleurs fantômes sont forcément des Shujin, tu penses pas? Ils ont attaqué notre principal, quoi, c'est dingue, non? On a des meurtriers au lycée. Ça m'est pensé l'autre fois, il y a un type à Shibuya qui m'a dit qu'il était un voleur fantôme. Vraiment, il faut que tu le dises. Tu crois? J'ai pris une photo de lui, j'ai qu'à le mettre en ligne et laisser la police attraper. C'est Nawak, hein. Les yeux du chat sont super, par contre, en bas à gauche, là. Aujourd'hui, c'est le troisième jour d'examen. Allez-y, commencez.
Que veut dire robota, qui est à la racine du terme robot? C'était l'esclavage. Ça semble juste. Lequel des propositions suivantes décrit la densité des étoiles dans la galaxie? Trois melons dans l'Atlantique. Trois graines de sable dans la main. Trois abeilles en toute l'Europe. C'est ça qu'il avait dit, je crois. Attends, j'avais allé. Ouais, c'est ça. Ça semble juste. Stalinus No Wheels, comment es-tu? Oh, notre réputation qui descend tellement. Mais je trouve ça bien qu'elle descende. C'est le début, c'est le dernier jour d'examen. Ah, c'est la pause du Herman. C'est le dernier jour d'examen. Tu as déjà vu tout ça, ça va aller, d'accord? Tout se passe bien, j'ai hâte de voir ta note. La police est revenue? Oui, et c'est du sérieux cette fois. Il paraît qu'un élève fait partie des voleurs fantômes. Vraiment? J'ai lu ça aussi sur le net. La sécurité intérieure serait même déjà sur le coup. C'est moi. Il faut qu'on parle d'un truc. Je suis à la planque. Enfin, chez nous, quoi. Entrez. Tu es Okumura, la troisième année, c'est ça, hein? Bienvenue, je t'en prie, assieds-toi. Ça va? Oui. Je suis venu de mon plein gré, mais je n'ai pas l'habitude de raconter mes états d'âme. Ne t'en fais pas, je ne suis pas très doué pour discuter avec les gens, moi non plus. Oh? Oh, je n'aurais peut-être pas dû dire ça. Tu veux manger un petit quelque chose? Fais-toi plaisir. Merci, merci, ça va aller. C'est bizarre, hein. Je viens pour entretien, mais je ne dis rien. Ça n'a rien de bizarre, prends ton temps, on ira à ton rythme. Et si tu n'es toujours pas à l'aise à la fin de la séance, tu pourras boire un thé et rentrer chez toi. J'adore le thé, peut-être que je serai plus détendu si je vois les choses de cette façon. C'est même sûr. Difficile et détendu quand on vient ici en se disant qu'on doit absolument parler. Si tu vois cette séance comme une discussion autour d'un thé, tu te sentiras moins stressé. Moi, les temps en buvant du thé, je le fais souvent, mais seul. Tu es plus relaxé quand tu es seul? Disons que je ne m'imagine pas prendre le thé avec les personnes qui me sont proches. Dans la famille, on ne pensait qu'au travail. Qu'est-ce que ça veut dire que tu prenais aussi tes repas seul? Oui. Quand on mange ensemble, c'était lors des dîners formels liés au travail. Je vois. Je n'ai jamais participé à un dîner chic, alors dis-moi, t'es-tu déjà senti seul à ces événements? Seul? Oui, on peut dire ça. En fait, j'aurais préféré manger juste avec ma famille. Si nous arrêtions là pour aujourd'hui, n'hésite pas à revenir dès que tu en ressens le besoin. Oh, toutes mes astuces, je suis resté bien plus longtemps que prévu. Hé, hey, ne t'en fais pas, ça me fait plaisir. La prochaine fois, je te prévoirai des petits gâteaux. Même ça, je trouve ça cool, en fait. 30 viewers, le sub. Bah ouais, je m'en doute. Ouais, effectivement, c'est 30 000 qu'il a craché. A plus, Abraham. Prends soin de toi, repose-toi bien, à la prochaine, ciao, bisous. Je suis la reine, tu suis la reine. Je l'ai en fond, là, Herman, comme toujours. Là, j'ai en fond, je les vois pas forcément tout le temps, mais là, j'ai Herman en gros plan, super. Enfin, en gros, c'est-à-dire que j'ai... Non. Voilà. J'ai soit Herman, soit Thunder, là, pour l'instant, soit Lucide. C'est les trois chaînes qui sont ouvertes chez moi. Voilà, donc je suis systématiquement là. Et là, je suis en train de voir que je ne gagne pas de points, Sherman, en ce moment. Rien n'est simple. T'as déjà essayé Duolingo, Glauch? T'as plus la foi. Ah, mais tu les faisais déjà? À l'époque. Que en japonais, tu m'étonnes. Mais faut attendre, peut-être qu'avec le temps, ils finiront par ressortir en version remasterisée ou autre. Comme c'était le Yakuza, lequel Yakuza
Zero et Kiwami qui auront peut-être un jour un patch de traduction, on va savoir. J'ai reçu un mot de Futaba au sujet de notre prochaine réunion, mais il nous reste encore du temps, alors je vais aller m'occuper de ces mes fleurs. A plus tard. Quand on a besoin d'eau. Je sais, va donc aider Haru, je préviens les autres. Soupir, c'est perturbant. Tu as besoin d'aide ? Oti, tu es venu m'aider ? Tu m'as entendu, j'imagine ? Ce n'est pas Jardin qui m'inquiète au cas où tu te demandes. Juste, il m'est arrivé tellement de choses dernièrement. Je peux t'aider ? Eh bien, je peux t'expliquer après tout. Ça me ferait du bien de partager ce qui m'arrive avec quelqu'un. Oh, c'est mignon ! C'est à cause de l'entreprise de mon père, les suites sont difficiles à gérer. Ici, il y a un accident et mon père n'avait pas fait de testament, j'ai hérité de toutes ses actions. Je suis donc devenu l'actionnaire majoritaire d'une société de plus de 1000 employés. Mais je ne sais rien du monde des affaires et de la gestion de fonds. Oui, ça va aller, pardon. Je ne voulais pas t'inquiéter, c'est juste que j'ai beau être la fille du président, je n'aurais jamais pensé devoir m'impliquer dans la société. C'est pour ça que j'ai rencontré les experts et les juristes avec qui mon père travaillait. Ils m'ont donné des conseils sur ce que je ne connais pas. Les actifs, les actions. Certaines personnes veulent gagner de ma confiance, c'est évident. Comment savoir qui en est digne? Ils me disent des trucs comme « ne t'en fais pas, laisse-nous gérer », mais j'ai l'impression que c'est de la gentillesse feinte pour mettre la main sur mon compte en banque. Je n'aurais jamais pensé être aussi méfiante envers les autres. Désolé de t'embêter avec ça. Ton problème m'a permis de me calmer un peu. Les seules personnes avec qui j'ai discuté de ça jusqu'à présent sont des employés. Je crois que j'avais besoin de quelqu'un de mon âge, avec de mon point de vue proche du mien. Eh bien, est-ce qu'on pourra en reparler? Mais bien sûr! En retour, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Je n'ai pas de talent particulier, mais on s'en fout. J'ai une idée. Je suis doué en jardinage. Il y a quelques années, j'avais réussi à faire pousser des fruits tropicaux sur le balcon. C'est comme ça que j'arrive à oublier ce qui est arrivé. Ah oui, au fait, j'ai mis des légumes dans le frigo de la case d'économie. Tu as encore un peu de temps? Tu peux un peu tendre 6 minutes? Ça finira par arriver, je pense, un jour micro, ce genre de choses. Les gens sont trop passionnés, touchent trop au codage pour que ça fonctionne bien ou mal. Quand on voit ce que certains font aujourd'hui. J'avais pas vu, mais j'ai tout raté ici. Je les ai fait pousser dans une déchetterie jardinière, je les ai récoltés il y a pas longtemps. Alors c'est sûr, ils sont plus biscornus que ceux du supermarché, mais... Tu aimes les légumes, Iti? Non. C'est bon à savoir. Pour te dire la vérité, j'ai un service à te demander. Je voudrais demander l'avis de M. Sakura sur mes légumes. Tu crois que je pourrais apporter ma prochaine récolte au café? Merci, je suis sûr que M. Sakura me donnera franchement son opinion. Je vais particulièrement signer ma prochaine récolte. C'est cool, tu vois, c'est feel good, tout ça. Et on va à la planque. Vous avez survécu aux examens, bravo. Soupir, je pense que j'ai complètement foiré, j'arrivais pas à me concentrer. Demander l'opinion du peuple et agir en conséquence. Pour réussir à mettre en place ce programme, je ferai. Ça recommence, j'en peux plus. Au fait, de quoi tu veux qu'on nous parle? Tu as dit que tu voulais vérifier quelque chose. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Le Majet que j'ai exterminé, ce n'était pas le vrai. Hein? Je croyais que c'était toi le vrai. Le type qui s'est fait appeler Majet après moi, ce n'est pas celui de la dernière fois. Comment ça? Le code que le type a écrit la dernière fois, c'est différent de ce que fait l'ancien Majet. Et donc? Un code, c'est comme une empreinte. Tu peux faire ce que tu veux, chacun a ses propres manies. Le code, à la dernière fois, il ressemblait vraiment à rien. C'était sale et désordonné. Je croyais que Majel était composé de plusieurs personnes du monde entier. Peut-être que le code a été écrit par un nouveau membre? Comment expliquer? Ce code n'a pas pu être écrit par un hacker. Impossible. En tout cas, pas par quelqu'un qui fait partie de Majel. Quelqu'un s'est servi de Majel pour provoquer les voleurs fantômes, et pourquoi? Est-ce qu'il l'aurait fait pour s'amuser? À l'époque, notre groupe devenait populaire. Ils ont peut-être voulu en profiter.
Un instant. Et si c'était l'inverse? Hein? Ils ont peut-être utilisé Medjet pour rendre les voleurs fantômes plus populaires. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je pense comme Makoto. Pourquoi? Je vous ai dit qu'un code, c'est comme une empreinte. Eh bien, j'ai trouvé ces empreintes à notre endroit. Où ça? Le site des fans des fantômes. J'ai retrouvé les traces d'une intrusion qui utilisait le même code. Ah ouais? Juste avant les vacances d'été, le compteur a été trafiqué pour afficher les plus gros chiffres. Et c'est pareil avec le classement, en particulier quand Okumura s'est retrouvé premier. Donc c'est la même personne qui nous a provoqué et qui a hacké le site. Je crois que je commence à y voir clair. La provocation de Medjed et le hack du site avaient pour but d'attirer l'attention sur nous. Sans compter que c'est aussi le classement qui nous a poussé à cibler Okumura. Un timing parfait, une cible idéale, mais ce n'était pas du fruit du hasard. Tout à fait plausible. Donc le coupable avait tout calculé depuis le départ? J'y crois pas. Ce ne sont que des hypothèses, nous n'avons aucune preuve. Mais si vos déductions sont correctes, ça veut dire qu'on fait exactement ce qu'ils veulent depuis environ 2 mois. On fait peut-être fausse route. Enfin, on parle quand même du classement et de Medjed. Ça fait tellement de bruit, tout était prévu. Alors on s'est mis à dos un véritable génie criminel? Pas la peine de se stresser pour rien. Pour le moment, on est accusé de meurtre, à tort, on va devoir gérer ça. Mais on ne sait même pas contre qui on se bat. Vous pensiez qu'on continue à jouer à leur petit jeu là? C'est probable, mais ça ne veut pas dire qu'on a perdu. Si quelqu'un de maticule nous manipule, on lui rendra la monnaie de la pièce. Le plus important pour l'instant, c'est de trouver les indices. Merci, mais ça fait toujours plaisir de voir qu'on arrive à vous aider d'une manière ou d'une autre. Ça, merci. De quoi, moi? Non, non, ils ont pas dit que c'était Mishima. Ils ont dit que quelqu'un avait retouché le site. Et que c'était le même que la personne. Or, étant donné que c'est Mishima qui a fait tout le site, ça veut dire que tout le site aurait dû être dans le même code que le truc. Alors qu'en fait, non. Moi? On m'a dit que vous m'aviez vous-même recommandé à ce poste, monsieur. Pourquoi avez-vous choisi quelqu'un sans aucune expérience comme moi? Quand l'affaire du principal de Shujin a été classée comme un suicide, vous n'y avez pas cru. Et vous avez démontré qu'il y avait un lien entre les voleurs avec les voleurs fantômes. C'est en partie pour cela. Je vous remercie, monsieur. Cette histoire avec les voleurs fantômes est une affaire nationale désormais. Tout le monde attend beaucoup de nous, car ce sont des procureurs qui dispensent la justice. Vous avez géré les équipes et le calendrier, vous aurez aussi la police sous vos ordres. Je veux que vous coordonnez toutes ces opérations. J'attends votre réponse. Est-ce que vous acceptez de mettre les voleurs fantômes sous les verrous? Je ferai tout mon possible pour être à la hauteur. Sachez que si vous remplissez votre mission, vous passerez à l'échelon supérieur. Je ne veux pas vous mettre plus de pression, mais je suis certain que vous allez réussir. Il va sans dire que je ne tolérerai aucun échec, c'est bien compris? Bien entendu. Vous pouvez compter sur moi, je ne vous décevrai pas. Ça m'énerve, mais je sais jamais trop comment réagir. Merci Alice pour ce que tu m'avais envoyé hier. J'ai pas pris le temps de le lire parce que je l'ai vu qu'au dernier moment avant d'aller me coucher. Et je me suis levé trop tard, mais je te remercie grandement d'avoir voulu aider. C'est parfait, j'attends beaucoup de vous. Tadaima. Attends, je vais écrire un petit message à Herman. Voilà, il y a le Herman qui est en train de manger. Encore une fois, je vous rappelle qu'il est en train de faire un jeu à l'aveugle. C'est-à-dire qu'il n'arrêtera pas le live tant qu'il n'aura pas fini le jeu.
Il est en train de faire Pokémon Verfeuille à l'aveugle, c'est-à-dire sans voir le jeu. Il monte ton raid. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Exceptionnellement, pour aller le raid. C'est vrai qu'on n'a jamais l'occasion de le faire. On va le faire, je pense. Et vous avez Lucide aussi, qui est actuellement en... Et voilà, toc toc. Et vous avez Lucide aussi qui est en train de fêter son anniversaire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Pokémon, c'est long. Faire tout le jeu sans regarder, ça me paraît bien bizarre. Non mais il est guidé par le chat en fait. Et quelle nuit de merde, l'IX. Sherman. Bref, mais c'est vrai que c'est pas con. On avait dit normalement le dimanche c'est Pix Energy, mais pour une fois qu'on a l'occasion de Raid Herman, s'il est encore en stream, on le fera. Pour toutes les fois où il nous arrête, et puis parce que voilà, faut le faire. Je suis rentré. On continue, désolé. Ça me fait chier de voir quelqu'un comme Herman être gêné par sa connexion. Pareil pour Thundar, en fait. C'est des gens pour qui, pour moi, méritent plus. La streamer que j'aime bien. Enfin, tu sais, t'as juste à lui dire comment procéder, en fait. Voilà, ouais. Il s'est déjà entraîné avant, en réalité. Il a pris plein de notes, etc. Donc, il voit pas le live, mais le chat le voit. Donc, chacun peut l'aider. Voilà. Donc, salut. Tu veux que je réchauffe ton dîner? Non, c'est bon. Tu fais couler un bain? Non plus, je passe juste pour me changer. Tu retournes au bureau? On vient de me confier une mission très importante. Tu as une sale tête. Tu n'en fais pas un peu trop? Dans la vie, tu dois parfois accepter des tâches pour lesquelles tu n'es pas le droit à l'échec. Si je n'y arrive pas, ma carrière est fichue. Ce n'est pas une raison pour mettre ta santé en danger. C'est une chance de prendre une promotion. I'm back. Comment ça, on parle de 3 mois prépayés, c'est-à-dire... Merci beaucoup, Palicio, pour ton 3e mois d'abonnement avec le niveau 2, en plus, tu gères. C'est classe, merci beaucoup pour ton soutien. Faudrait que je mette des trucs différents pour les subs 2 et 3, pour voir si je peux changer les choses. Breath of the Wild à l'aveugle, sérieux, Glauch? Les gens sont fous. Les gens sont fous. On doit construire des statues à ces gens-là. Cet homme ou cette femme a terminé machin à l'aveugle. Je fais non. Allez. Il paraît que la police est venue au lycée, pas facile de se concentrer sur les études. Mais ne t'en fais pas, tout sera bientôt terminé. Comment ça? Je vais attraper les voleurs fantômes. C'est ça dont tu parlais? Ça ne te regarde pas. Bah si, parce que je suis voleur fantôme. C'est pas vrai. Ma sœur enquête sur les voleurs fantômes et sur Sujin aussi. C'est pas bon du tout, je dois prévenir les autres. Une statue à la gloire. Non! Dark Souls avec des bananes. Avec des bananes. Ouais, on l'a eu le boss ce matin. Enfin, tout à l'heure, là. Le mec se repérait au son pour se déplacer et savoir sur quel type de terrain il était. D'accord. Nous sommes sur le point d'avoir des gros soucis, les amis. On doit conserver notre calme. Quel est le problème? Ma sœur m'a dit qu'on lui avait confié une mission importante concernant les voleurs fantômes. Ça veut dire que, oui, l'UES doit être déjà sur notre route. Sacré. Attends, c'est l'unité qui enquêtait déjà sur nous, non? La police menait une son enquête de son côté. Il s'agit d'une opération d'une grande notre envergure. Attends un peu, c'est quoi au juste l'US? C'est l'unité d'enquête spéciale, un groupe d'élite spécialisé dans les affaires d'État. J'en ai déjà entendu parler aux infos, cette unité fait souvent les gros titres. Le plus dément, c'est qu'ils n'ont pas perdu la moindre affaire en près de 50 ans. S'ils sont à tes trousses, tu es foutu. Ce sont les meilleurs enquêteurs du pays. On va se faire arrêter? Une contre-mesure un peu extrême, non?
Je pense surtout que nous sommes devenus trop célèbres. Ce pays ne plaisante pas avec la loi et les autorités ne peuvent plus se permettre de nous ignorer. Nous sommes peut-être les voleurs fantômes et nous sommes en mauvaise posture. Ils ont probablement établi un profil assez précis de leur cible alors qu'il est. Et pas la peine d'essayer de nous faire peur. Pour l'instant, ça va, ils n'ont aucune preuve. Ouais, mais ils doivent être en train de remuer ciel et terre pour en trouver. Ils ne trouveront rien. Ce n'est pas une question de temps. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Tout va bien se passer. Tant qu'ils ne savent rien sur le métavers, ils ne pourront pas trouver d'infos sur nous. J'ai peur. Peut-on dire que tout ça profite à l'accusation? Je suis pour faire les touches, d'accord. Et donc lui, on l'a bel et bien passé. Allez hop, on y va. Toc toc. Changer mon livre de tech. Bon, les résultats des examens après. Peut-être que j'augmente ma gentillesse. Ça augmente pas déjà le DVD? Maîtrise. Je vais essayer d'augmenter ma gentillesse. Je crois que j'en ai un ou deux qui ont besoin de la gentillesse, du charme. À couper la rediffusion aussi. C'est déjà 9h qu'on est en live, et c'est 7h du matin, Eti. Yes, enfin! On est altruiste, on va pouvoir continuer les autres. Hey, Thunder, c'est t'as fini? Oui, Sen Makai. Comment ça va? Let's add a few more times. Attends, faut que j'enlève le truc de la personne que t'as raid. Comment ça va, monsieur? Gentillesse. Voilà, on va pouvoir les démarrer, ceux-là. Je sais pas avec quoi ils jouent. Ah, ils jouent à Terraria, ok. Alors, gentillesse. Ça va, tranquille. Toujours pas à fond, hein. Va falloir faire mieux que ça, mon petit monsieur. T'as besoin de chocolat, Thunder. Enfin, si t'es pas allergique, parce que si t'es allergique, t'as pas besoin de chocolat. Mais il te faut du chocolat. Mange du chocolat. Ça a duré plus longtemps que prévu, on devrait aller se coucher. Hein. Hop là, on va se coucher. Il te faut du chocolat, Thunder. Les voleurs fantômes n'ont toujours pas été coincés? Super en retard. C'est pas grave. Tant que c'est fait, le tripotage, Marie-Corée. Coucou à toi en tout cas, à tout à l'heure. Et bon courage pour le boulot. Merci Micron pour le partage. J'ai un Kinder Surprise au frigo. Et ben voilà. Fonce et bouffe-le. Dévore-le. Pas la surprise hein, par contre. Le gouvernement et la police sont inutiles. Ça se voit ni le truc qu'il y a autour. De préférence. Bisous. Le gouvernement et la police sont inutiles, ça se demandait s'ils essaient de les attraper. Et dire qu'on paie les impôts pour ces incapables. Des meurtriers mystérieux, un gouvernement incompétent, comment ça va finir tout ça? Tout le monde a du mal de nous. J'ai les mains moites, ça m'agace. Tu sais, j'ai même pas l'impression qu'elles sont humides, vraiment. Mais tu sais, comme si ma peau était imbibée, en fait. Un peu collante, j'ai horreur de ça, mais vraiment horreur de ça. Mais enlevez-nous cette chaleur, quoi. La police est encore là.
Ça fait combien de fois, franchement? Notre lycée est devenu célèbre, mais pas pour les bonnes raisons. Elle n'est plus considérée comme un élève modèle, ce lycée n'est plus, c'est du grand n'importe quoi. Je me demande si le coupable vient vraiment du lycée. Notre code de popularité qui descend, qui descend, qui descend. J'ai horreur de ça. Je me sens pas bien. J'ai dans l'alcoolisme magique, pour ça j'en ai pas du tout. Ils étaient là aujourd'hui, non? Ouais, ils ne prennent pour qui ces flics qui n'ont pas le droit de nous traiter comme ça? Peut-être que les rumeurs sont vraies, peut-être qu'il y a un voleur fantôme dans l'école, hein. Bon, écoutez tous, la police est au lycée, alors ne le gênez surtout pas. Oh, et pour des raisons diverses, la fête du lycée est reportée au 25. On a parlé de l'annuler, mais on ne voulait pas en arriver là. Les préparations vont être dures. Je sais, mais ménagez-vous. Sans raison, en pleine semaine, et quelles sont les raisons? Avec toutes ces histoires de Kamoshida et le principal, j'imagine que c'est pas étonnant. C'est ma copine, la prof. C'est le mec. C'est ma meuf. Je crois que c'est une référence à H, ça, non? Apparemment, la police va interroger... J'ai jamais regardé H, mais je crois que j'ai déjà vu ce partie-là de la série. Apparemment, la police, elle va interroger tous les élèves du lycée. Sérieusement? La police enquête à Shujin et ils ne sont pas venus dans mon lycée. Ils appellent les élèves un par un pour les auditionner. Attends, ça veut dire qu'on va être entendu aussi? Ça sera cet après-midi pour la deuxième année. Essayez de vous préparer un peu psychologiquement. Ils cherchent forcément le coupable, non? Qui sait? Soyez prudents et essayez d'en dire le moins possible. Ils sont plutôt doués pour déceler les mensonges, je sais. Dans tous les cas, ne dites que le strict nécessaire, punaise. C'est là que ça va merder si jamais j'ai un problème. Au suivant, Anne is for you. Vous passez tous les deux. Pourquoi? L'un de vous va sûrement attendre dans le couloir. Il procède de cette façon jusqu'à présent. Ah oui, d'accord. Ce sont les consignes des enquêteurs. Ne parle pas pour ne rien dire et ce sera vite terminé. J'ai peur. Assieds-toi. On est désolé pour tout ça, mais ça ne prendra pas longtemps. Allons, voyons, it's for you. Ah oui, c'est toi l'élève en probation. Il paraît que tu as eu une altercation avec Monsieur Kamoshida. Tu as parfois aux yeux, dis donc. Tu as des amis intéressants, Yusuke, Kitagawa et Haru Okumura. C'est important les amis, pas vrai? Désolé de t'embêter avec tout ça, tu peux y aller. Ah oui, j'ai oublié. J'ai encore une question à te poser. Tu penses que les voleurs consomment tout cas dans cette école? On pourra être sûr qu'une fois l'enquête terminée. Merci pour ton aide. Tes réponses sont précieuses pour l'enquête. Mademoiselle Takamaki, et la prochaine, tu peux y te devenir? Ils vont m'entendre. Je sais pas si j'ai répondu correctement aux questions. J'étais tellement nerveuse que j'en ai bégayé. Je pensais être habitué à tout ça pourtant. A priori, ils m'ont tous posé les mêmes questions. C'est une tactique bien rodée, ils attendent que quelqu'un craque. Bah toi, j'espère. Bah non, c'est bon, heureusement, ils n'ont pas vu à quel point j'avais les mains moites. Et dire qu'ils ont cité mon nom. Oui, et on peut pas prendre la police à la légère. Vous ne l'avez pas trouvé flippant, cet enquêteur? Si, carrément, j'ai trouvé normal, je m'en souviens plus. Ses yeux en particulier ont dit qu'il les riait, mais en fait, non. Je suis désolé pour tout ça, c'est à cause de ma sœur. Ne sois pas désolé, Makoto. Ce n'est pas comme si je ne m'y attendais pas. Mais maintenant qu'on y est, je ne sais plus quoi faire. On doit juste éviter d'attirer l'attention et faire en sorte de nous disculper, non? Tu as raison. Ce n'est pas de ta faute, Makoto. Je vais essayer de voir où on est l'enquête. La police m'inquiète, mais le pire, c'est qu'on ne peut plus faire confiance à personne. On était si populaire. Bon, c'est pas grave ça. Haru, tu pourrais fouiller dans les affaires de ton père pour trouver des indices? Je sais que ce n'est pas forcément évident, mais non, pas de problème, vous pouvez compter sur moi. On va tous devoir se montrer extrêmement prudents au lycée. Du coup, j'essaie de prendre ceux qui sont en deuxième année avec moi pour organiser la fête du lycée. Pourquoi? Ça nous permettra de nous voir sans éveiller les soupçons, c'est la meilleure solution. Ok. Je suis d'accord, si j'ai trop de temps libre, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de converger. Quoi qu'il arrive, je ne vais pas avoir à regretter. Ouais. En fait, le dernier qu'on a fait, quelqu'un d'autre, après qu'on soit passé récupérer le trésor, quelqu'un d'autre était dans le palais, avait tout habillé en noir, silhouette assez fine quand même, donc je sais pas encore qui, a tué le gars du palais. Et donc, le gars est mort d'une rupture psychique pendant qu'il était en train de faire ses aveux. Et le gars qui est mort, c'est le père de celle qu'il a là, ici.
la dame ici qui a ce, cette espèce de veste super bizarre. Voilà, et on est tous accusés, donc notre popularité est tombée en flèche. Et voilà. Tu veux nous porter la poisse. Je ne serais pas surpris qu'ils passent chez nous pour poser des questions. Ils sont venus dans votre lycée après tout, je dois rester prudent. Pour le moment, on reste sur la défensive, même si ça nous empêche d'avancer. On verra bien si on trouve des indices sur le coupable, d'accord? Oui, voilà. Tu vois, ce que j'espère à la fin, c'est que ça fasse comme dans Days Gone ou ce genre de choses, c'est-à-dire que t'es... Selon ce que t'as fait dans le jeu, il y a un rassemblement de toutes les personnes que t'as aidées et qui sont de ton côté, en fait. Tu vois? Ça sent pas bon, quelqu'un nous a piégés. Je sais. Bon, je peux pas faire grand-chose, la gentillesse a augmenté, donc ce qu'il faudrait, c'est que j'augmente ma maîtrise. Donc on peut jouer au jeu. Ou alors, attends. Non, je peux pas aller voir des gens. Ouais. C'est il, tueur. Chut. Est-ce qu'il faudrait pas que je coupe la rediffusion? Hein, vite fait, là, comme ça, tout de suite. Ça m'agace de voir le temps qui passe, qu'après, je sais que je vais pas pouvoir jouer pendant deux jours. Deux longues journées, quoi. Je pourrais pas y retoucher avant mardi au jeu. C'est extrêmement frustrant. En fait, imaginez, on en a fait une tout à l'heure, en fait, Alice, en tout début de soirée. On a récupéré des nouveaux trucs, et on a fait les celles qu'on avait récupérées en dernier, les trucs les plus puissants, apparemment. Oui, mais justement, c'est là tout l'intérêt du jeu, du micro. Si c'est vraiment ce qu'ils m'ont dit, si j'ai vraiment compris le début, c'est-à-dire que l'un d'entre nous a parlé. Mais qui? Mais après, est-ce que c'est pas un plan, justement? Tu vois, est-ce que les choses ne sont pas retournées, en fait? On a piégé E.T., les gens. Comment ça, on a piégé E.T., Alien? La drogue, la drogue, la drogue. Voilà, mais le jeu est terriblement prenant. Enfin, je me serais pas permis de passer autant de temps sur le jeu sans que je sois complètement accro, en fait. Hein, parce qu'en même temps, faudrait que je dessine, je suis en train de me foutre dans la merde parce que c'est pas le cas, mais de laisser tellement de choses de côté, il y a les cartes qui s'entassent à côté, qu'il va falloir que je fasse, etc. Et si j'avais pas attaqué Persona 5, j'aurais déjà passé commande des cartes, donc ça fait une semaine et demie que je suis en train de faire du Persona, alors je te ferais mieux travailler sur les cartes. Alors attention, par contre, je continue à travailler sur certaines cartes hors stream. Mais, voilà, quoi, c'est un peu... C'est un peu n'importe quoi. Bon, du coup, on va couper la rediffusion ici. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstejeux.fr et passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous et à ciao tout le monde, du moins. À tout de suite pour la suite du live, l'enregistrement d'une nouvelle rediffusion. Le temps passe décidément beaucoup trop vite. Sachez-le. Je t'ai eu, Alien. J'ai terminé avant. J'ai vite cessé sans compter. Tu ne m'as point eu. Allez, à tout de suite, je reviens. Nous montrer? Non, non, parce que y a pas besoin de vous les montrer, c'est pour les gens qui soutiennent sur Tipeee. Celle que je fais. En dehors des lives. Même si maintenant, je les ferai à coup sûr. Genre là, le 29, quand je reviendrai, le 29 au soir, il n'y aura pas stream. Le 30, je pense qu'on fera pas du jeu vidéo tout de suite. On commencera par essayer de faire la carte postale des subs pour le 30. Ensuite, dans le mois de juin, le mois de juillet, pardon, on fera la carte à collectionner FTJ du mois de juin. Voilà. À là, tout de suite, je reviens. Ba-dum-bum. Pum 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 p